Launch authorization received. Eh bien bonjour, bonsoir à tous, c'est Taku et on se retrouve pour la phase numéro 8 de Star Wars Battlefront 2 en conquête galactique avec les rebelles. On s'était laissé il y a quelques mois sur une offensive sur Utapao, je crois. Ou alors, je me rappelle plus du coup. Utapao va prendre le héros. Je sais plus si c'était une attaque ou une défense. Vu le vaisseau, je dirais que c'est une défense, non? Ce vaisseau-là, c'est l'Empire. Du coup, ça serait eux qui nous attaquent. Donc j'espère que vous êtes heureux de retrouver la série. En tout cas, moi, ça me fait bien plaisir de revenir dessus. Alors, F1, allez hop, Han Solo. Ah oui, c'est vrai, j'avais adoré... Ah oui, bah ça doit être une attaque, je pense. J'avais adoré jouer ce personnage. La fois où j'avais eu à le tester. Han Solo. Et non pas Yann comme c'est écrit dans le jeu. Gardons la version... version anglaise. Faut peut-être viser comme il faut si je veux réussir à les tuer. Oula bah... Ah merde. Oh oh. J'ai pas de grenade avec Han Solo, ça c'est con. Parce que là, il y a du people. Ah. Donc oui, j'imagine que pour ceux qui suivaient la série, ça fait un bon moment que vous attendiez cette vidéo. Mais ça y est, c'est le retour. Le problème, c'est qu'on... On va bientôt arriver à la fin, donc comment vous allez faire? Ce que je propose, c'est que peut-être je fasse, mais pas tout de suite, hein, forcément, peut-être, oh, là, peut-être un peu après, enfin je sais pas, remarque, on verra, ça, on verra en fonction de ce que je fais, ce qui me motive, ah merde, j'ai tué quelqu'un qui était avec moi, donc peut-être je ferai une vidéo, la campagne de Star Wars Battlefront 1, parce que c'est aussi intéressant que celle du 2, hein. C'est juste que bon, il n'y a pas les héros à jouer, mais moi je l'ai autant adoré celui-là. Même si c'est sur le 2 que j'ai beaucoup plus joué. Le 1 est quand même super. Putain, c'est n'importe quoi. Eh, vous vous rendez compte là ce que vous êtes en train de vivre comme nouvelle vidéo? C'est le gros bordel. Je me fais allumer de tous les sens. C'est la surchauffe. Tellement il y a de monde. Ah. Ah, faut que je tue des gens parce que là je vais perdre ma vie sinon. Hop. Ah là c'est la fin je pense. Allez on avance. Offensive, on prend pas les camps. Là on en liquide le plus possible. 108 à 49. Alors là Han Solo, autant vous dire que c'est un mastodonte. Ah, j'aurais dû me taire. Combien j'en ai tué là? On va prendre... Bah, Snowder. On a tous les camps. Là je vais me faire un peu plus allumer je pense déjà. Voilà. Désolé, j'étais concentré. Ah ouais, là, c'est déjà plus... Attends, mais... Je me suis fait tuer par un allié. Mais c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. J'étais dans une folie meurtrière. J'allais pas m'arrêter. Il faut qu'un allié me tue. Alors là, je suis pas d'accord. C'est... Une mutinerie. Ah non, attendez. Quand c'est en bleu, c'est pas forcément que c'est un ennemi, un allié. Mais tout à l'heure, la caméra, elle a zoomé sur un allié. Hein. Moi, je suis quasiment sûr que c'est un allié qui m'a tué. Ou alors, c'est que l'allié avait tué un ennemi. Et du coup, vu qu'il n'y avait plus personne à filmer, ils ont filmé le gars qui l'avait tué en dernier. Alors ça, autant vous dire que je pense que c'est possible. Et comment le vérifier? Et ben, tout simplement... il faudra revenir en arrière et regarder si le nom du mec qui m'avait tué c'était juste des numéros, parce que j'imagine que les rebelles ils ont pas de numéros, c'est des noms normaux.
logiquement. Il reste plus qu'un mec déjà. Pff, oh là là. Ah bah alors ça c'est bouclé. Ça c'est bouclé. Allez hop. Maintenant contre-attaque carnage. J'en ai. Oh là là, le massacre. Précision. Carnage. Ouais. Alors, bah évidemment on va sauvegarder. Ce serait con de perdre une si belle bataille. Un massacre. Alors j'allais attaquer Mijeto. Mijeto, je sais pas comment on l'a dit celle-là. Mijito, Mijeto, Mijeto. Alors on prend... on garde... Là j'ai assez de thunes à chaque fois que, vu que je gagne... J'aimerais juste annuler l'attaque. Ouais. Dès que sélectionné. Voilà. C'est ce que je voulais faire. Alors, il reste ces deux-là. Ah oui, je m'étais fait sucrer ces trucs. Ça, c'est à nous, ça? Elle a personne? C'est bizarre, ça. Parce que... Ouais, ça, c'est à nous. Et ça, c'est à personne, alors. Bon, bah, de toute façon, je vais prendre lui. Il restera ces deux-là à faire. C'est-à-dire qu'ils vont nous attaquer à un moment donné. Allez. Et on attaque, on prend le Jedi, enfin le héros, je sais pas si ça va être un Jedi. Qui ça peut être sur Mireto, Mijito, oh et puis merde. Hein. Logiquement rien du tout, parce qu'on sait pas du tout, ni dans les films, ni dans les univers parallèles, qui est quel héros est attaché plus que ça à cette planète. On va le voir tout de suite. Luke Skywalker, mais alors là, merci, quoi. Alors ça, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Parce que... J'adore jouer avec ce perso. Puis c'est un Jedi, hein. De toute façon, qui c'est qui n'aimerait pas jouer avec un Jedi. Alors, voilà, c'est mieux, ça. J'ai pas vu s'ils avaient un bonus, eux. Hop là, c'est parti, on commence. Oh là, là, il y a de quoi faire. Oh, alors là, vous avez vu ce saut, c'est juste magnifique ce que je viens de faire. Sublime. Je vais essayer de prendre le camp, comme ça on va les encercler. Ah bah vous, parfait. Merci de vous être positionné. Ça facilite bien les choses. Alors, Oh. Ouf, j'ai cru que j'allais tuer, le seul que j'allais tuer c'était un... Voilà, le lancer de sable dans le jeu, c'est vraiment un peu cheaté quand même. Tiens, viens là. Hop là. Oh ! Ah bah tant pis. Allez, on va prendre ce camp là. Ah, ils en ont pris un là-bas. Allez, on y va. On va essayer de le rechoper. Je l'ai tué ? Est-ce que j'ai encore... Je crois. Alors eux, ils vont bientôt crever. Voilà. Alors, toi, c'est pareil. Boum ! Alors Louis, ouais, c'est ce que je disais, le lancer de sable, c'est juste une tuerie dans ce jeu. C'est juste un peu abusé, faut dire. Bien. J'ai entendu reinforcement. Alors je sais pas s'ils vont avoir des alliés. J'ai pas vu s'ils avaient des bonus. En tout cas, Mijeto... Putain, mais pourquoi je le dis comme ça? Mijeto, enfin... Mijito, allez, on part là-dessus. Si jamais vous savez comment on le dit, bah dites-le moi, vous voyez bien que je suis en galère. Ouh là là. Oh là 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 là. ouais. Donc, j'adore cette planète. Moi, je l'aime beaucoup. Même dans le film, je trouve qu'elle est, il est bien réussi. On la voit vraiment pas beaucoup, hein. Mais l'ambiance, le peu de secondes où on la voit, moi je trouve que c'est réussi. Ils ont bien réussi leur coup. Bon, allez, arrêtez de lancer des grenades et laissez-moi prendre ce camp. 65-66 ? Mais pourquoi on... J'arrête pas d'en tuer. Ils sont sacrément pourris les autres, c'est-à-dire. Oh là là. Là c'est pareil. C'est le moment de faire un carnage. J'en ai pas touché un seul. Mais c'est parti. Pas question de mourir avec Luke.
Luke est incroyable. Luke est invincible. Luke est phénoménal. Allez. On s'en fout du camp, en fait, on fait un carnage, c'est tout ce qui compte. C'est de tuer le plus d'ennemis. Hop là. Là, je vais me faire je me fais zigouiller. Un petit lancer de sabre. Un autre. Là aussi. Pff, hop là, dans les patates. Ouh là, la grenade. Elle est passée à côté. Ah putain, j'étais en train d'essayer de zigzaguer pour pas qu'il me touche. C'est pas grave. On est à l'attaque, 42-18. J'ai fait le taf. Normalement, il ne devrait plus y avoir de problème. Il suffit d'assurer maintenant. C'est sûr que c'est moins rapide qu'avec Luke Skywalker maintenant. Tiens-toi dans la tête si possible. Oh là, je suis pourri. Ah bah c'est sûr que quand j'ai plus l'aide d'un Jedi... Ah, ils sont plus que 3 déjà. Bon allez, c'est facile. Yep. Alors, plus que 3. Il y en a un dans un vaisseau, ça se trouve. Oula. Oui, c'est ce que je disais. Allez. Ça, c'est fait. Mais tu es là. Mais sérieux ? HD. Le gars, il est en haute définition, quoi. HD 781. Qui m'a tué. Alors. Si j'arrive à y retourner juste pour me venger, ce serait beau. Non ! 17, 16, 15, 14, 13. J'y arriverai jamais. Ça se trouve, il est pas du tout par là. Eh ben non, il devait pas être par là. Bon, alors deuxième victoire, là on est chaud patate, on va on en fait une troisième qui va sûrement être une contre-attaque de l'Empire sur je ne sais quelle planète. Où est-ce qu'ils vont attaquer à votre avis ? Pas sauvegarder évidemment. 870 crédits, on va à fin du tour. Alors là, s'ils nous attaquent... Ah bah non, ils peuvent pas. Oh non, bah nous on va s'en aller. Je ne veux pas faire de bataille spatiale. Alors là, je vous le dis tout net, les amis. C'est hors de question. J'en ai ras-le-bol des conquêtes. Des batailles spatiales. Moi, ça me fait pas kiffer du tout. Je trouve ça chiant. Et puis, je suis pourri, déjà. Donc voilà pourquoi j'aime pas. C'est que je suis nul. Alors, un petit fin du tour. On va aller voir Andorre. C'est bizarre qu'on puisse pas la voir. C'est une planète neutre. Oh non, putain, merde, oui. Bon, bah, on les dégomme. On prend Luke. Eh, ça vous dit, on fait la jumelle de celle d'avant? Ouais, bah, c'est pas ça qui va vous sauver la vie, les gars. Là. Il faut les massacrer, leur faire comprendre que c'est fini pour eux. L'Empire, c'est la fin. Et on repart du même endroit. Oui. Alors. Hop, c'est parti. Allez. Alors là, on fait le même schéma. Je suis désolé, c'est pas passionnant du coup. Mais si on peut refaire un même genre de massacre, là, ça peut être marrant. Normalement ils ont un peu plus de vie, 147, 150, 146, 150, on se fait dégommer. Alors je vais aller les aider parce que c'est des grosses brêles et puis qu'ils ont pas de sabre laser et que moi oui. Voilà, je me fais trop allumer là, faut que je me mette à l'abri. Allez, allez, hop là. Oh, je l'ai tué malgré tout, l'autre. Il y en avait un qui est mort direct, et puis l'autre avec le retour de sabre. Allez, allez, allez. Putain, il y en a que j'achève pas du premier coup. C'est pas bon, ça. L'efficacité, le ratio coup d'épée et mort n'est pas très bon. Il faut que je m'améliore. Qu'est-ce que je raconte?
Oh, mais... Je suis pas très bon, là. Pourtant, il n'y a rien de plus simple. Un coup ou deux, bien placé, et c'est fini. Voilà. Coucou, les amis. En plus, je vous respawn juste à côté de moi. Ça, c'est sympa. Hop là, toi aussi. Boum, boum. Re... Ah, moi, je suis à la source, là. Je suis dans leur camp. Je me fais plaisir. C'est pas très sympa ce que je fais. Sans multi, faire du kill spawn, c'est... Autant vous dire que je pense que je me ferai incendier. Non, mon objectif, c'est pas de prendre les camps. C'est de tuer le plus d'ennemis, parce que là, on est à 160. 100, nous, et 60, eux. Oh ! J'avais pas vu que j'avais presque plus de vie. Mais... Oh non ! Non, non, non. Vous prenez pas notre camp. C'est hors de question. Pouf ! Le pauvre ! Salut, au revoir. Merde, ah bah, c'est pareil pour moi. Allez. Ah, je... Quoi? Oh putain, eh, c'est pas croyable. On se fait dégomme, là. On a plus un seul camp. Enfin, plus presque, plus trop. Putain, mais je dis n'importe quoi, c'est quoi ces conneries? Allez. Je vise même pas comme il faut. Oh, il y a une grenade, hein, histoire de foutre... De leur faire peur. Coup de pression. C'est hors de question qu'on se fasse tuer alors que... Voilà, tout ce que j'ai fait avec Luc, ça sera en vain. Mais c'est pas vrai. Par là, je sais pas. Allez. Putain, ils avancent, hein. Les grenades. Voilà, bon, celui-là, il est mort déjà. Le vaisseau, je m'en fous. J'ai tué le mec qui était au-dessus. Alors. Mais... Oh, pff, arrête de bouger. Voilà. 20, 16. Oh putain, mais on va se faire tuer. Je suis nul. 19, 11. Oh. Ça va être tendu. Allez. 18, c'est bon. On a réussi au dernier moment à inverser la tendance parce que là, ils étaient dans une pente ascendante et nous, une pente descendante. Mais tout va bien. Où est-ce qu'ils sont, les 5 derniers? Où est-ce qu'ils sont? Oui, bah oui, je veux. Allez, on y va. Cours, cours. Ils sont où? Encore 3. Oui, bah oui. Sauf que le problème, c'est que si je trouve personne, ma vie continue de baisser et je vais mourir. Parce que quand on est un héros, le seul moyen de remonter sa vie, c'est en tuant des ennemis. Et là, vu qu'il n'y en a pas... Ah là ! Coucou ! Merde, j'ai plus de... J'avais plus de mana, on va dire, de pouvoir pour pouvoir lui lancer mon sabre laser. Il en reste toujours un. On va aller... voir par ici où se terre-t-il. Là, on va jouer avec lui ou pas? Coucou. Wouhou. Et bah, elle était pas mal celle-là, hein. Franchement, tendue jusqu'au bout. J'ai vraiment cru au dernier moment qu'on allait se faire battre, tout simplement. Mais non, on a été plus fort que ça. Donc, on va aller voir ce qu'il y a du côté d'Andorre. Qu'on soit sûr et certain que... Enfin, je sais pas pourquoi il y a une planète comme ça dans le vent. Alors, déjà, je reprends... Ça va être le même schéma à chaque fois. Hein. Je suis désolé, leader, acheter. Hop, déplacement. Déplacer. Bah. Ok, ça sert à rien. Donc, ça sert à rien. Alors lui, il va aller par où, lui?
toute façon, la ça sera pour la prochaine vidéo qu'il y aura le combat. Là, on fait juste les petits tours. Ainsi, fond. Alors, je pense qu'ils vont attaquer la planète qui se trouve ici. Je ne sais pas ce que c'est, je me rappelle plus. Mustafar ? Non, elle n'est pas par là, Mustafar. Kashyyyk ! Ben oui, bien sûr. Allez, ça fait plaisir. Ça sera pour la semaine prochaine, les petits gars. Un combat avec Chewbacca, je pense que ça sera forcément lui le héros que j'aurai. Et la semaine prochaine, il y a des chances qu'on ratatine encore une fois. Mais je me rappelle que cette planète, c'est assez dur. Mais il y a des chances qu'on ratatine l'Empire, que déjà là, on les contre, et qu'ensuite j'aille à l'attaque des deux autres planètes. Et j'ai fortement l'impression qu'il y aura de la bataille spatiale. Donc, pour votre plus grand plaisir et pour mon plus grand déplaisir, je vais devoir y passer. Mais moi, je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que la vidéo vous a plu, que ça vous a fait plaisir de retourner sur cette série. C'était une partie bien mouvementée. On les a bien déglingués dans les deux premières missions. Mais bon, la troisième, c'était un peu plus mitigé sur la fin. Mais au moins, c'était un peu tendu et c'était pas plus mal. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu, à vous abonner si c'est pas déjà le cas, à commenter tout ce que vous avez envie de commenter. Et à partager si ça vous dit. Voilà. Allez, salut tout le monde. À la semaine prochaine sur Star Wars Battlefront phase 9. Ciao. Une PS1. Alors, elle est en parfait état. Elle est super belle. Pas du tout, jaunie ni rien. Donc voilà. La bête. Donc je sais pas c'est laquelle version, ça doit pas être la dernière parce qu'il y a ce truc là, il me semble que dans les dernières versions il y avait pas ce machin.